Coucou tout le monde, donc nous sommes heureux de vous retrouver avec Enzo pour un nouveau big haul action. Je sais qu'il y en a un qui a été posté il n'y a pas très longtemps, ou c'est-à-dire je crois la semaine dernière, mais comme je vais beaucoup sur les groupes de Facebook, etc. et sur Instagram, il y a pas mal d'idées, etc. aussi également, et du coup je me suis dit je vais y retourner, mais là après je pense que j'ai vraiment terminé d'y aller pour un bon moment. Voilà, là, c'est une housse de tête d'oreiller. Une housse de coussin, voilà. Donc, c'est 45 sur 45. Voilà, donc c'est un effet velours, donc là j'ai pris noir. Et là en blanche. Voilà. Étant donné que le canapé va être noir, du coup je me suis dit que voilà, ça... Noir sur blanc, ça n'aurait pas fait trop bien, etc. Donc, voilà. Et j'ai pris également pour aller évidemment avec un rembourrage. Deux coussins, donc là je vous en montre que un parce que j'en ai acheté deux évidemment. Donc par contre, faire super attention au niveau de la dimension. Donc là j'ai pris 45-45 qui vont avec 10 de coussins. Après, j'ai acheté un cadre comme ceci, style un peu baroque, je sais pas, mais avec des effets de doré. Et, ça va très bien avec la table, je trouve. Ouais, ça, celles qui n'ont pas vu dans mon ancienne vidéo, je mettrai le lien. J'ai acheté une petite table, en fait, une petite table couleur dorée. Et du coup, bah, je me dis que ça irait très bien dans, là où je vais le poser. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté également. Donc ça, je pense que je vais mettre, je ne suis pas dans le couloir certainement, un cadre comme ça qui fait LED en fait, donc 3 fois LED. Donc il faut par contre des piles 2AA, donc voilà. Donc je crois que ça coûtait 1€ et quelques, donc c'est très bien. Et ça coûtait, vous avez un petit bouton pour allumer, etc. J'en ai pris un comme ça, même pas. Et j'en ai pris un également comme ceci. Ah, merci, pardon. Comme ceci, du coup, qui ira dans ma chambre, parce que je compte faire un petit, pas une chambre un peu rose comme ça, mais vraiment rose pâle, quoi, vraiment rose. Voilà, un petit peu cocooning, etc. Donc voilà. J'ai acheté un pistolet pour. En fait, ça permet d'utiliser pour les bombes. C'est vrai que j'ai acheté plein de. J'ai acheté au moins 6 miroirs et du coup je vais les bomber. Donc j'en ai acheté du coup. Donc là c'est noir spray. Je pense qu'il y a des paillettes parce que dessus c'est pailleté. Donc du coup vous le mettez là-dessus. Et je pense que c'est plus facile d'utilisation. De toute façon derrière vous avez la notice. Et. Tu veux que j'explique comme ça? Non, merci. Et une dorée. Et j'en ai pris de la dorée, je crois que j'en ai pris deux du tout. Genre, voilà, donc j'en ai pris deux comme ça. Du coup, pareil, je vais bomber. Il y a une argentée aussi, mais pour l'instant, voilà. Ouais, moi j'achète pas. Donc voilà, j'en ai pris une dorée comme ceci. Donc voilà. Donc je vais voir. Enfin, ça va les encore également. Je vais bomber soit les têtes de lit, enfin les paravents, parce que j'en ai racheté. Mais là, je vais pas vous les montrer. Mais du coup, je pense que je vais bomber également. Enfin, je vais voir ce que je vais faire avec. Mais ça ira également dans le couloir. Donc là, je pensais aussi à faire les achats de Noël. Donc du coup, je me suis dit que cette année, ça va être un petit peu compliqué voilà, financièrement. Donc j'ai acheté ça pour un de mes neveux. Donc c'est pour être fresque, pour être âme. Oui. Voilà. Alors c'est une voiture dans le monstre, puis vous avez un tremplin. Voilà. Puis vous avez deux roues de rechange. Voilà. Puis il y a quand même des voies et des tremplins. Après, vous avez les couleurs vertes, vous avez plusieurs coloris. Ouais, et j'ai même des triangles. Voilà. Ensuite, pour ma fille, du coup, pour Noël, j'ai acheté ceci. C'est un carrosse en fait. C'est un petit. Ouais, c'est un carrosse avec une poupée. C'est une carrosse pour elle. Voilà. Comme de neige. Ouais, donc je trouve ça trop trop joli. Donc je pense que ça va me plaire. Et il y a plein de petits accessoires également avec. Alors, pour mon petit, un autre neveu encore. Il va avoir 2 ans. Ouais, il va avoir 2 ans le 27 décembre. Du coup, j'ai acheté un petit. C'est une caisse à outils, voilà. Parce qu'en fait, il aime bien la mécanique. Il peut faire de la mécanique avec les vrais outils. Voilà. Du coup, c'est un peu dangereux. Voilà. Donc, j'en ai acheté et c'était 25 pièces. Donc, il vise de. Enfin, c'est déconseillé pour les 0 à 3 ans, mais bon, après, je pense que sa mère va certainement lui enlever les petites vis, etc. Mais ce qui est
dedans le bureau à la MLC. Donc voilà. Ensuite, Quanzo, du coup j'ai trouvé, j'ai payé un ballon comme ceci, donc c'est la marque Sla Zaniga. C'est Puma, je crois. Puma, ouais. La marque Puma, donc je crois que ça coûtait dans les. C'était 5 euros. 4,99. Ouais, à peu près. Il s'est pris, c'est quoi ça, des araignées, crayons, 24 pièces, des mouches, etc. pour Halloween. Moi j'ai pris des leggings, en fait c'est des. C'est un legging en fait, des leggings. Ouais. J'ai pris un couleur bleu nuit, j'ai pris également le même en couleur noire, comme ceci. Ensuite j'ai acheté des After Eight, donc ça c'est pas pour moi, c'est pour ma mère, parce qu'elle adore ça. Donc ils sont pas chers du tout. Voilà. J'ai acheté également un anti-calcaire, donc ça, parce que comme là, j'ai pas encore tout nettoyé, mais j'aime bien quand tout est propre à nickel, et surtout quand on emménage, il y avait des gens avant. Du coup, j'ai acheté un anti-calcaire avec une bague, ça c'est le top du top, j'en ai beaucoup vu sur les groupes, etc. Donc je vais tester, apparemment il y a de la javel, etc. Ça nettoie super bien, donc voilà. À voir. À voir. Tout ce qui était un petit peu nourriture, j'ai acheté des Crispy Crips. Donc là, c'est des snacks de fruits. Donc là, c'est à la pomme, comme ceci. Donc, c'est des fruits secs, en fait. C'est des fruits secs. Non, mais c'est quoi? Ah, c'est des fruits secs. Ouais, qui sont secs. Ah, des chips. Non, un petit peu. Comme ceci. Et j'en ai pris également à la poire. Donc voilà, c'était pas cher du tout. Je vais voir ce que ça donne. J'ai racheté également des petits. Comment on appelle ça? Des sandwichs en fait en forme de cookies, donc ça, non, c'est cool, c'est j'en achète à chaque fois, il n'y en a pas tout le temps, donc là j'en ai racheté. En nouveauté, j'ai pris un brûleur électrique, un brûleur à huile électrique, donc vous avez juste à le brancher, je ne pas le brûleur parce que j'ai besoin d'être vraiment bien installé, d'avoir une meuble, etc. Donc moi j'ai pris en blanc pour aller dans la salle. J'avais même aussi deux tartelettes qui sont en dessous. Ouais, il y a des tartelettes. Il y a les tartelettes magiques Marrakech et l'autre c'est Fortune Fruit. Voilà, vous avez juste à le brancher. Voilà, c'est les tartelettes à peu près comme ça. Ouais. Et après, vous appuyez sur le bouton évidemment pour allumer et il faut enlever le couvercle du dessus pour que ça puisse s'infuser. Donc j'en ai pris un blanc. On vous en montrerai tout à l'heure. Ensuite, j'ai pris un plaid comme ceci, donc c'est vraiment un plaid vraiment tout doux. Hop, tac, il y en avait plusieurs coloris avec effet fourrure, donc c'est la fausse fourrure, bien évidemment. Que ça, je vais tresser en mon lit, parce que je pense que sur un canapé, ça va être vite salé, donc je vais tresser en mon lit. Voilà. Et pour aller dans la chambre, du coup, cette fois-ci, j'ai pris celui-ci qui fait un vieux rose, donc c'est le brûleur électrique pareil. Hein, donc voilà. Et là, au niveau des bougies, c'est différent, c'est, les tartelettes, pardon, c'est pur et romance. Donc voilà. Donc le prix, je crois que c'était 6 euros et quelques, je crois. 4 euros. 5 euros. Ouais. Donc voilà. J'ai acheté un câble, donc un câble micro USB 2 mètres parce que le mien était mort. Donc voilà. Je peux vous certifier que ça fonctionne très très bien. J'en ai acheté un à mes meilleurs amis et voilà. Et ça fonctionne super bien. Donc, par contre, c'est pas pour les smartphones. Oui, pour les smartphones, avec caméra et PC tout simplement. PC ? Oui, on est d'accord. Dans les nouveautés, donc c'est un démaquillant 8 pasés waterproof. Donc j'ai l'impression que ça fait comme celui de Jolie Maybelline. Donc là, évidemment, c'est les skins. Hein. Voilà. Je verrai ce que ça donne. Je ne vais pas encore tester tant que j'avais l'autre. J'attends de finir et puis je vais voir celui-ci. Donc c'était pas très cher. Et pareil, c'était dans les nouveautés. Enzo m'a fait acheter des bougies parfum. Donc là, c'est censé. Enfin, ça sent très très bon. Oui. Fragrance, donc voilà. Mystique Aguarbot. On va mettre sur la table vu que le fond est violet. Voilà, il y a des idées, donc je verrai. On va être sur un meuble, enfin bref quoi. Donc voilà. Et j'ai pris celui-ci.
à Pomme Canet. Qui m'a fait acheter également. Non, c'est pas moi qui ai voulu celui-là. Ouais, enfin, bon, ouais. Ouais. Voilà, tiens. C'est prêt, voilà. Donc, du coup, j'ai acheté. C'est une horloge de table. Voilà. Vous aviez la même en coloris blanche, mais je me suis dit que comme mon papier peint par contre, qui est devant moi, est blanc, donc je me suis dit que ça serait trop blanc, etc. Comme j'avais déjà acheté des bougies, enfin, des bougies en LED noires, du coup, voilà, je me suis dit que j'allais mettre ça. Et du coup, voilà. Et par contre, il faut mettre des piles AA, je crois. Oui, c'est pas. J'ai acheté également un photophore comme ceci, donc voilà. Je vais mettre une bougie LED directement pour aller dans mon entrée qui ira du coup avec un thème vraiment couleur un peu doré quoi. Tiens, merci. J'ai pris un pantalon de détente pour faire. C'est un pyjama. J'ai pris ça. Ça coûtait 3,99€, donc 3 l'hiver. Franchement, il n'y a pas de quoi se créer. Voilà, si vous n'avez pas envie de vous avez envie de rien faire et être resté chez vous. Voilà. C'est quoi? Ouais. J'ai racheté également un diffuseur mur, c'est un chat plutôt, mur noir et douceur, donc ça c'est trop bien, et c'était dans les promos, donc, parce qu'habituellement ils s'en passent à 4€ et là je les ai eu pour 2,99€. J'ai acheté des dates, donc ça va pour moi, c'est pour ma mère. Tiens, pardon. J'ai acheté des élastiques en fait comme ça, j'en ai une dizaine, 12, parce que je compte faire un tuto coiffure, comment je me coiffe avec un bras, donc je me suis dit que j'avais acheté ça exprès pour vous montrer. Tu l'avais déjà fait dans le démaquillant? Ouais, en mettant du vernis à ongles. J'ai pris également deux paires de chaussettes, donc des chaussettes assez épaisses, voilà. Donc j'ai pris rose et je les ai prises également en bleu, voilà, pour rester. On avait du mal à trouver. Ouais, mais bon, c'est pas grave, parce que des fois les rayons sont tellement mélangés, etc., que déjà ils ne remettent pas leur place. J'ai acheté un cuiseur vapeur, donc spécial micro-ondes. Donc en fait, ça cuisine les légumes, les fruits et les poissons, ou viande, en préservant leur saveur, donc, en espérant que vraiment ça fonctionne. Donc je vais voir si ça fonctionne vraiment. Enfin, je vais pas vous montrer. Tu veux le jour? Oui, si tu veux. Tiens, la bonne chose, si tu veux. Hop! J'ai acheté un abat-jour comme ceci, en blanc pour mettre là-haut. En fait, comme je vous l'ai montré la dernière fois, j'ai acheté des plumes et j'ai acheté le pistolet et la colle, etc. Donc, je vais mettre toutes les plumes là-dessus. Et je tenais à remercier les filles, en fait, qui m'ont vu ma précédente vidéo, que effectivement mon abat-jour noir et blanc était bien à l'envers. Donc, Enzo me l'a remis et au niveau de la. Enfin, du lit, du tout. En fait, on peut le remonter. Donc, ça, c'était très bien. Donc, voilà. Donc ça, je mets des plumes dessus. En fait, ils ont remis des guirlandes, donc des guirlandes, voilà, LED, comme ceci. Donc là, j'ai réussi à en trouver en bleu, blanc et gris et un peu et noir. Voilà. J'ai pris également celui-ci en noir et blanc. Donc je pense le mettre sur un meuble et ça peut faire sympa. Voilà. J'ai pris du coup un agenda pour de 2017. Voilà, je trouvais ça super chouette et les motifs sont super beaux. Je n'ai pas payé très très cher, je l'ai dans les 20 000 quelques. Donc voilà, c'est un agenda vraiment tout simple, mais il est trop bien. Et je sais que ceux de l'année dernière étaient super bien également. Donc voilà, après vous avez des petites notes, enfin bref. Et vous avez une petite règle à l'intérieur. Voilà. Ouais, et un petit marque-page. Voilà. Merci. Donc du coup pour aller avec les brûleurs, j'ai acheté donc, des petites tartelettes. Donc, je me suis dit, c'est 99 centimes, donc dedans il y en a. Il y en a combien dedans? Je sais pas. Il y en a 6 à l'intérieur. Donc là c'est parfum fer vital. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. J'ai pris à la figue. Comme ceci, j'ai pris également Spa. Donc ça sent un petit peu plus fort, je trouve. J'ai acheté des
je vois pas trop les noms comme d'habitude, des guirlandes en LED, parce qu'il y en avait en blanche, etc. Mais du coup, celui-ci, je préférais parce que ça avait plusieurs couleurs. Donc, voilà. Et par contre, c'est des guirlandes d'intérieur, donc voilà. Pas très cher non plus. Pour Enzo, j'ai pris une gomme comme ça, c'est une grosse gomme, parce qu'il en a déjà une noire. Voilà, vous l'avez voulu comme ça. Voilà, les cuillères vapeur, elle est comme ceci. Donc ça fait plus de gris que noir pour moi. Enfin, c'est pas très grave. Hein. Vous mettez comme ça. Ça, c'est un écran. Vas-y, mets ça dessus. Tac. Comme ça, vas-y, voilà. Je vais mettre un petit peu comme ça. Mets-le bien, voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et du coup, il va au micro. Donc ça, c'est top. Donc j'ai hâte de le tester. En plus, il y a un écouteur en dessous. Oui, c'est parce que c'est pour que l'eau, en fait, quand la vapeur va s'échapper, c'est pour que l'eau soit en dessous, en fait. Ok. Voilà. Donc ça coûte même pas 24 euros, je crois. J'ai pris un photo... non, c'est quoi? Une lanterne. Oui, une lanterne plus blanche. Donc elle est plus grande, mais j'en ai pris une blanche. Donc je vais voir, je vais tester pour la bomber. Parce que j'aimerais bien la mettre sur la petite table, je ne sais pas trop. Et j'ai acheté également des lampes LED, des bougies LED qui vont avec, donc je vais voir. Mais ça coûtait dans les 4,99€. Pour Enzo, j'ai acheté des petites gommes, genre gommes, non, mais un centre de gommes plutôt McDo. Enfin bon, on dit il y a des frites, etc. Donc, voilà. Pour moi, je me suis prise un porte-monnaie comme ceci. Donc voilà. Portefeuille. Ouais. Donc pas très cher non plus. J'ai acheté un sèche-cheveux, donc à tester. Je vais voir ce que ça donne également. Bon, j'ai pas ouvert parce que c'est vraiment il y a trop de. Enfin, c'est trop long après la vidéo. Donc là, ils disent sèche-cheveux de voyage, réglage de la chaleur de 0, 1. Et deux, donc crochet de suspension. Donc ça, c'est pas mal. Et le prix était de 5 euros et fait 200 watts. Donc c'est voilà. Quoi, 200 watts? C'est au niveau de la puissance. Ouais, voilà. J'ai acheté un LED 10. Donc en fait, c'est un genre de lampe chaude que vous mettez sur vous. Donc voilà. Donc, j'ai acheté 5 euros, donc il fait 130 sur 150 cm. Mais voilà. Sur des temps qui n'aiment pas la taille directement. Ouais, bah ouais, mais tant pis. C'est bon. C'est pas mal, c'est les 10 fashion, ils marquent ça, châle. En fait, c'est un châle mode pour femmes. Voilà. J'ai pris en noir et blanc. Voilà. J'ai pris des colis prince comme ceci. Donc, ça, c'est pour ma fille que je vais lui ramener tout à l'heure. Parce qu'elle s'en sert pour dans son petit déjeuner avec des céréales pour elle. Pour elle, parce que c'est tellement petit que du coup, elle se met dedans. Pour Noël, du coup, comme j'ai pensé à acheter aussi en cadeau, j'ai acheté des chocolats pour les petits, une crush, voilà, on en a acheté trois, avec plein de petits chocolats à l'intérieur. Donc voilà. Donc, ceci, je vais montrer. Celui-là, c'est pour moi. C'est une tasse avec des chocolats aussi dedans. Donc, c'est noyé, il y a des cerfs aussi. Ouais, et celui-là, c'est une rouge, pareil, avec des chocolats. Bon, ouais, parce qu'il y a pas de raison que je me fasse un petit peu plaisir aussi, hein. Voilà. Voilà. Tiens, c'est bon, on va montrer. Voilà. Ensuite, j'ai pris du coup le spray de. Comment ça s'appelle? Oh, le vaporisateur. La bombe, voilà, je cherche la bombe. Du coup, en argenté pour bomber les miroirs. Pour ma petite nièce qui va avoir un an. Du coup, je savais vraiment pas quoi y acheter. Du coup, j'ai pris une petite barre comme ceci. Donc, c'est la barre, je sais pas pourquoi. Moxy Girls, voilà. Ils ont dit que ça sert à jouer beaucoup aux poupées, les grosses poupées, donc voilà. Donc là, il n'y a pas de danger, il n'y a pas les yeux qui sont en bon, rien du tout. Donc voilà. J'ai acheté dans les nouveautés, du coup, les recharges de diffuseurs électriques, j'en ai acheté la dernière fois, mais là, ils étaient pareils à 2 euros avec le diffuseur, donc franchement, ça valait vraiment, vraiment le coup. Voilà. J'ai pris donc comment ça s'appelle, la bougie LED, en fait comme d'œil, ça s'appelle ça. Donc voilà. Je ne sais pas s'il faut des piles. Hein. Ah oui, il faut des piles. Ah ah. Oh, c'est bon. Ah, c'est bon, on a fait la réserve de piles, donc c'est bon. Hop, voilà. Après, j'ai acheté un flacon de pompe, en fait, c'est pour
Le savon, tout simplement, le coup, je l'ai pris en blanc et gris, avec des petites gouttes dessus. Et là, pareil, pour mettre la brosse à dents et le dentifrice. Et il reste le blanc. Ça, c'est tout. Non, il y a encore celui-là. Non, on l'a fait ? Oui. Ah. Et après, il reste un gros truc encore que, qui va avec la table. Qui va avec la table. Donc, Enzo qui fait le tour. Le pauvre, il y en a partout, je vous dis pas. C'est rien, c'est pas très grave. Alors, c'est comme ceci. Tu vas réussir mon chaton. Voilà. En fait, c'est le banc qu'on voit maintenant. Voilà. Hop, c'est bon. J'espère que vous l'avez vu. En fait, le banc, du coup, il allait à l'entrée. Et du coup, c'est pour ça que j'ai acheté des. Tu prendrais les photos. Les photos phares, etc. Parce que je pense que j'allais mettre dessus. Et voilà, pour pas que ça en fasse de trop sur ma petite tablette, ma petite table que j'ai acheté également. Donc voilà, du coup, j'espère que ce Big Haul Action vous aura plu. Je pense que pour l'instant, il y aura d'autres Big Haul Action parce que je vais vraiment ménager, donc je vais prendre du temps. Ça va mettre du temps, etc., à décorer. Et je pense que je vais mettre des photos, enfin bref, je vais voir ce que je vais faire avec. Enfin, je vais vous les filmer, etc., une fois que ce sera bien installé. Et voilà, du coup, en attendant, on vous fait d'énormes bisous. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc j'espère qu'il y aura une chance que la prochaine fois, ça sera certainement pas avec Enzo, étant donné qu'il va retourner chez moi. Chez moi, puis à l'école aussi. Hein. Oui. Donc voilà. Surtout, bah, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à abonner à la chaîne, à liker la vidéo, et puis à laisser plein de commentaires. Et en attendant, bah, vous faites des gros bisous. Et puis, mettez, je sais pas, un genre hashtag. Team Enzo et puis Jess, voilà, si ça vous plaît. Et donc voilà. En tout cas, on vous fait des gros bisous, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.